Nous sommes venus ce matin, chacun avec ses secrets, chacun avec ses blessures, chacun avec ses hontes, avec ses attentes, avec ses joies. Nous déposons tout cela aux pieds du Seigneur et nous accueillons ce qu'il nous donne. Voici, selon sa promesse, le Seigneur est au milieu de nous et il nous dit « La paix soit avec vous tous ». Si vous êtes en accord avec cette invocation, je vous invite à répondre par « Amen ». Et nous commençons ce temps de culte par le « répond ». Alors, un « répond », c'est-à-dire un chant qu'on chante assis. Et donc, le 6101. Donc, quand je dirais « répond », on reste assis. Quand je parle de cantique ou de chant de l'Assemblée, on va se lever. Je l'explique pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude de venir parmi nous. Et on va chanter « Notre secours est dans le nom du Seigneur ». Sœurs et frères, c'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous accueille et que je vous souhaite la bienvenue dans ce temple d'Isaac pour ce culte de la dynamique mulhousienne. Et je vois qu'on est nombreux de toutes les paroisses de la dynamique mulhousienne et ça fait plaisir aussi à voir. Je me réjouis aussi de vous retrouver après quelques dimanches d'absence pour cause de remplacement dans d'autres paroisses ou bien de congés. Et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin pourront aussi entendre la bonne nouvelle de Dieu grâce à la retransmission sur YouTube dès 14h, qui est possible grâce aux collègues Jean-Mathieu et Jean-Sébastien qui sont tout au fond. Et vous avez dû le voir, on a la joie d'accueillir parmi nous Maxence. Maxence, c'est le petit garçon avec sa belle chemise hawaïenne. Voilà. Maxence est un Isaacois, nouvellement installé d'ailleurs, avec sa famille, et ses parents ont demandé donc pour lui le baptême. Et nous sommes invités en tant que communauté chrétienne à être témoins de son baptême, ainsi que du nôtre, par nos actes et nos paroles. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, le déroulement du culte, pour savoir où on en est, c'est la petite feuille que vous avez reçue. Tout ce qui est en gras, c'est les cantiques que l'on va, pardon, les chants, les cantiques ou les réponses qu'on va chanter. Et comme je vous le disais, quand c'est un chant, on se lève, quand c'est un répond, on s'assoit. Et ensuite, pour savoir quoi chanter, vous prenez le recueil vert et... Alors, c'est un petit peu compliqué, il faut chercher les deux numéros. Voilà. La maman du baptisé me dit qu'elle a trouvé, donc c'est bon, ça va être ma référence. C'est bon. Super. Alors, on va commencer par chanter au 41-38 « Louange et gloire à ton nom » les quatre strophes. Thank you.
Nous écoutons ce que le Seigneur veut pour son peuple à travers les mots de Francine Carillo, une pasteur suisse. Elle nous fait un peu une réécriture des 10 commandements. Je suis le Père des 10 paroles, c'est vers moi que je veux que tu tournes ta prière. Je veux accompagner ta marche au désert et te délivrer de la tentation de te délivrer toi-même. Quand demain tu seras perdu dans tes choix, je te redirai que seule ma tendresse est le terreau de ta liberté. Quand demain tu seras fasciné par le miroir sans fin des images de toi-même, j'entraînerai ton regard au discernement de l'invisible qui fonde les êtres et le monde. Quand demain tu manipuleras mon nom pour asseoir tes positions, je te rappellerai que je suis un dieu du voyage dont le nom ne se prononce pas. Quand demain ton amour s'étiolera et que tu vivras dans d'autres rêves, je renouvellerai en toi la vie d'où monte tout élan vers l'autre. Quand demain tu seras tenté d'accabler autrui pour te sauver, je découperai sur toi l'audace de la vérité sur ta peur et ton mensonge. Quand demain tu seras habité par le désir d'être autre, je te rendrai à la joie d'être toi-même. Parce que je suis le Père des 10 paroles, le temps est venu de conjuguer ta vie aux 10 temps de ma liberté. Amen. Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui, à travers la confession du péché. Seigneur, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Nous voulons te dire aussi notre honte, notre confusion, parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect, l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur, c'est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter le répond le 61-18, on le chantera deux fois, Jésus le Christ, lumière intérieure. Je vous invite, à vous lever pour entendre une parole de grâce. Notre Dieu est un Dieu d'amour et du pardon. Il ne nous laisse pas dans la détresse et nous recevons sa parole de grâce. Il n'y a pas besoin de grands cris pour que l'oreille du Père se tende vers son enfant.
Il n'y a pas besoin de trop de larmes pour que s'ouvrent les bras de la mère et qu'elle serre son enfant sur son cœur. Frères et sœurs, l'amour de Dieu surpasse l'amour des parents, même les plus aimants. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime pour ce que nous sommes et non pour ce que nous faisons. Et sans lassitude, avec fidélité malgré nos errances, jour après jour, le Seigneur nous tend les bras et nous appelle à lui. Je vous invite à chanter notre reconnaissance au 61-36. On peut reprendre place. Frédéric Trich et Patrick Schneider, vous avez demandé que votre enfant Maxence reçoive le baptême. Alors avec les parrains et marraines qui sont nombreux, vous allez le voir, je vous invite à vous approcher et à vous placer derrière la table qui est là. Maxence, pour l'instant, on peut le laisser un peu... Ou pas. Alors, non, devant cette table-là. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui? Cette table-là. Alors, je vous explique pour les paroissiens, il y a 5 parrains marraines, parce que dans les marraines, il y a une jeune fille qui est encore mineure. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 marraines adultes, 2 marraines, 2 parrains, et une jeune fille aussi qui est la 3e marraine. Il sera entouré, en tout cas. Alors, Maxence, on va se rappeler la volonté de Jésus-Christ pour son Église et pour les baptêmes. Dans l'évangile de Matthieu, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes ces nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » L'évangéliste Matthieu nous le rappelle avec la parole de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frédéric et Patrick, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui a donné le souffle de vie. Il va être baptisé aussi au nom du Fils. Jésus-Christ mort et ressuscité pour lui l'appelle à son service. Et il va être baptisé au nom du Saint-Esprit qui fera naître en lui, nous l'espérons, la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons chacun, chacune de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Et nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, pour ses enfants comme Maxence, même s'ils ne le savent pas encore, parce que la Bible nous le rappelle, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, parents, parrains, marraines, je vous invite à me regarder. Merci. Nous allons baptiser Maxence. Comme vous le faites aujourd'hui, vous vous efforcerez de vivre avec lui dans l'église locale où il entendra parler de Jésus-Christ et où il grandira avec les autres enfants de Dieu. Vous veillerez sur vos actes et vos paroles pour ne pas le blesser dans son amour d'enfant pour Dieu.
Est-ce bien là ce que vous promettez? Si oui, je vous invite à dire oui, que Dieu nous soit en aide. Les parents aussi. Oui, que Dieu nous soit en aide. Merci. Et à nous, l'Assemblée, aussi de s'engager. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à accueillir Maxence comme un membre de la paroisse d'Isaac, mais aussi comme un membre de la dynamique mulhousienne, de sorte qu'il se sente chez lui et que sa famille puisse compter sur votre soutien spirituel? Si tel est votre désir, je vous invite aussi à dire oui avec l'aide de Dieu. Et Maxence, tu es soutenu là, il y a du monde. Puis, il est en train déjà de lire le recueil de cantiques. On est bien parti. Je vous invite à vous lever, chère assemblée, puisque nous allons proclamer ensemble la foi chrétienne qui nous rassemble catholiques aussi et protestants avec le credo. Si vous ne le connaissez plus bien, il est sur vos feuilles. Attendez. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. On peut reprendre place, nous, l'Assemblée, en tout cas. Alors, parents, parrains et marraines, est-ce que vous voulez que votre enfant, Maxence, soit baptisé dans cette foi chrétienne? Si tel est le cas, vous me dites oui. Nous prions. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons pour le don de Jésus-Christ sur la croix. Le baptême que nous allons célébrer maintenant nous associe à sa mort et à sa résurrection, par lesquels il a brisé le pouvoir du mal et les enchaînements de la violence pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec toi. Seigneur, fort de tes promesses, nous te confions Maxence. Lorsque nous invoquons ton nom sur lui, prononce toi-même le sien dans le ciel. Inscris-le dans le livre de vie, de sorte que ton amour et ta bénédiction reposent sur lui dès aujourd'hui et pour toujours. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Maxence va recevoir aujourd'hui un verset de baptême, un verset aussi qu'on va te chanter à la fin du culte, un verset du livre de Ésaïe au chapitre 54, « Quand les montagnes feraient un écart et que les collines seraient ébranlantes, mon amitié loin de toi, jamais, ne s'écartera. » On va lui rechanter à la fin, comme ça il l'entendra. Et les Isaacois le savent peut-être un peu plus que les autres. J'aime bien qu'on prenne un cantique de notre recueil pour les baptêmes. C'est le 23-14, strophe 1 à 4. On va chanter pour Maxence l'enfant qui nous arrive. Le 23-14. Thank you.
reprendre place. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés et possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton Évangile. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous de vrais enfants d'Abraham. Amen. Et nous allons entendre donc les deux lectures pour aujourd'hui. La seconde lecture, ce sera aussi le texte de prédication. Nous lisons en première lecture dans l'Ancien Testament le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ces peuples, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. La deuxième lecture dans le Nouveau Testament, nous la trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. La parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. » Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avant le temps de la prédication, je vous invite à chanter donc le chant de l'Assemblée « Tu me veux » à tout service. Sœurs et frères, en ce jour de baptême, écouter une parabole et s'interroger sur elle, c'est le meilleur, même si vous avouerez que ce n'est pas la parabole la plus douce à entendre en premier. Une parabole, c'est en fait une histoire imagée qui nous est racontée par Jésus et qui nous transmet un message, un enseignement important. Jésus, il ne parlait pas comme un professeur, mais il aimait bien nous raconter des histoires qui nous amènent à se poser des questions. Jésus ordonnait assez rarement, il fait réfléchir, il nous fait interpréter, il nous fait échanger.
La parole de Dieu qu'il essaye de transmettre, c'est une parole vivante que chacun est appelé à faire sienne, tout comme Maxence plus tard le découvrira, je l'espère, au Gondiflet ou au catéchisme. Et cette parole de Jésus, vous en conviendrez aussi. Ah, il va être futur pasteur aussi, je crois. Cette parole de Jésus, elle fait parfois peur parce qu'elle nous parle assez crûment du jugement dernier de Dieu sur nos vies. C'était la fin de la parabole que vous avez entendue. Et alors, c'est encore plus étrange quand Jésus, il lit cela à notre gestion de l'argent, avec cette histoire des talents. Et puis en plus, si on se rappelle bien l'histoire qu'on a lue, Jésus insiste sur le côté un peu méritant de la chose. Plus je t'ai confié et plus tu as bien fait avec cet argent, plus en plus tu vas en recevoir. Ça, c'est la première lecture qui nous vient quand on écoute la parabole. Mais pourquoi Jésus va se servir d'une image financière pour nous parler du royaume de Dieu? Parce que le Fils de Dieu, il sait bien que chaque être humain a une relation particulière à l'argent. Je pense que vous en conviendrez tous, que nous soyons cigales ou fourmis, économes ou dépensiers, riches ou pauvres, on a tous une relation à l'argent, que nous le dépensions ou que nous le gagnions d'ailleurs. Et ce n'est pas un hasard si Jésus précise que l'adversaire de Dieu, il le dit à plusieurs reprises, c'est l'argent, il l'appelle mammon. Les soucis arrivent quand l'argent ne devient plus un moyen, mais un but. Alors, Jésus nous parle de nos actes en évoquant notre rapport à l'argent. Pour nous faire comprendre, en fait, que la manière de gérer les biens de Dieu, elle est aussi importante que ce que nous faisons de notre argent. Et vous devez bien vous avouer que chacun, à un moment ou à un autre, se pose la question de comment gérer ses sous. C'est un rapport universel à l'argent que nous avons. Sauf dans certaines sociétés primitives basées sur le troc, mais c'est quand même pas la majorité. Et nous sommes invités aujourd'hui à nous interroger sur notre rapport au don de Dieu. Le premier point que je voudrais soulever dans cette parabole, c'est pas le premier point qu'on voit en premier justement, c'est l'attitude du maître des serviteurs. Avant de partir en voyage, si on écoute au tout début, il appelle ses serviteurs. Il leur confie les biens, on va dire, et il leur remet quelque chose de valeur. Alors, suivant les traductions, on parle de talent, enfin, de lingots même parfois. En fait, clairement, ce qui est remis à ses serviteurs, c'est une énorme somme d'argent qui équivaut à plus de, je crois, 6 000 jours de travail. Donc, c'est vraiment une somme énorme qui leur est remise. Et ce n'est pas un test de la part du maître pour vérifier si ses serviteurs lui sont bien loyaux. Le maître ne se moque pas des serviteurs à qui il remet de l'argent, il leur fait pour le coup véritablement confiance. Et si vous relisez aussi la parabole, vous vous rendez compte que le maître, et c'est peut-être aussi là le souci, il ne donne aucun ordre pour ce dépôt. Il leur confie l'argent et il part. Et c'est aux serviteurs de comprendre ce qu'ils doivent en faire. Et c'est là qu'arrive le souci pour le troisième serviteur. Mais on va d'abord rester sur l'attitude du maître. Bon, l'attitude du maître des serviteurs, c'est celle de Dieu, en fait. Jésus nous rappelle par cette histoire que Dieu nous fait confiance pour l'avenir de l'Église. Il nous la confie, et je crois que quelque part, il nous invite par ce texte à la faire grandir en nombre de fidèles. Ça, c'est le but, mais il y a aussi le moyen d'y arriver. Et là, de nouveau, Jésus nous montre l'image d'un Dieu qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il nous montre l'image d'un Dieu qui aime que les êtres humains soient libres et responsables. Dieu nous fait confiance. Il ne nous donne pas la marche à suivre comme le maître serviteur. Jésus nous pousse à choisir notre propre voie pour faire fructifier l'Église. Non pas au sens financier, même si ça ferait la joie de nos trésoriers, mais au sens humain. En propageant sans cesse la parole de Dieu et son amour inconditionnel. Et puis au verset 15, et ça, les commentateurs l'ont souvent retenu, Jésus précise « Le maître donne à chacun selon ses forces et ses possibilités. » Il nous est précisé que ce qui est attendu de nous est en cohérence avec nos capacités
quelles que soient ses capacités. Moi, je crois que par là, Jésus et Dieu coupent ainsi court à toutes les jalousies et aux comparaisons inhérentes au comportement humain en général. Jésus nous montre que à chacun est confiée une somme différente. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas égaux pour témoigner de l'amour et de la parole de Dieu, et ce n'est pas grave. Jésus ne cherche pas à amoindrir l'action de ceux qui ont moins reçu. Il est juste à l'écoute des capacités de chacun. Ça veut aussi quelque part nous dire que Jésus et Dieu nous prend avec nos limites. Cette parabole nous montre ainsi que Dieu nous accepte dans toutes nos différences, dans notre unicité, et nous invite aussi par là à faire de même autant que possible. Et ça, je crois que ce n'est pas un vain message le jour d'un baptême, parce que s'il est une des valeurs chrétiennes que nous pouvons transmettre à Maxence, c'est bien celle de la valeur de sa vie aux yeux de Dieu, et que dans les yeux de Dieu, il sera toujours accepté et reconnu pour ce qu'il est, quel que soit le regard des autres. Et je crois aussi que c'est un message important à l'heure où chacun, aujourd'hui dans notre société, cherche à être reconnu dans sa spécificité en apparaissant dans la culture, que ce soit la littérature ou les œuvres cinématographiques. Et puis j'en reviens à ce maître. Le maître va vraiment partir. Ce n'est pas un test comme dans les télé-réalités, je suis sûre que certains l'ont vu parmi vous, où le chef d'entreprise se déguise en salarié. C'est peut-être une vieille référence, mais... Donc le chef d'entreprise se déguise en salarié pour mieux comprendre son entreprise. Alors du coup, ici, ce grime, on ne voit vraiment pas qui il est, et il se rend compte de ce que c'est le travail dans son entreprise. Mais là, ce n'est pas ce que le maître des serviteurs a voulu faire. Le maître, il leur confie quelque chose, et il part longtemps. C'est une vraie et une longue absence qui est laissée aux serviteurs. Et cette longue et vraie absence, en fait, c'est celle du Christ et cette absence que nous vivons depuis 2000 ans dans l'attente du retour du Christ. Et du coup, aussi, on comprend mieux la mention de cette absence à la fin du passage. Je pense que ça vous a un peu fait, peut-être même choqué, les deux derniers versets. « Car à celui qui a, on donnera davantage et il sera dans l'abondance. » Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce serviteur bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, là où l'on pleure et où on grince des dents. Alors, je suis peut-être un peu bisounours, comme on dirait maintenant, mais je suis persuadée que Dieu ne nous donne pas cette image seulement pour nous faire peur, mais au contraire, je trouve ça positif plutôt, pour activer notre sentiment de responsabilité. Nous le voyons aussi dans l'éducation de nos enfants, on a parfois besoin de promettre une récompense ou au contraire de sanctionner. L'humain a parfois besoin de pression pour agir justement. Quand je dis pression, je ne parle pas de violence, on est bien d'accord. Alors oui, Dieu nous laisse libres et responsables, mais dans un cadre qui est limité d'une part par son amour sans condition et par l'évocation du jugement. Il nous dit finalement, Dieu, qu'il y a une conséquence à nos actions et à nos paroles, que nous sommes appelés à assumer. Et puis le deuxième point de ce passage, c'est l'attitude du troisième serviteur. On l'a bien vu, les deux, ils ont reçu les talents et ils ont fait fructifier l'argent. Ils ont fait les petits boursiers, quoi. Le troisième, lui, il a pris peur et il a choisi la voie du moindre risque. Alors, et en plus, il a pris peur et quelque part, il a suivi la loi, en fait, juive, qui était d'enterrer l'argent. Alors, personnellement, j'ai plutôt de l'empathie et de la compassion, moi, pour ce dernier serviteur qui, en plus, va recevoir, a priori, une punition. Parce que, contrairement aux autres, il s'est interrogé sur son maître, sur ce que les actions de son maître disaient de lui. Il pensait que c'était un maître dur, alors, du coup, il a pris peur. Il a cherché à ne pas l'irriter dans le doute, et il a choisi la prudence, voire même l'inaction. Il n'a pas entendu l'appel implicite du maître à faire fructifier. Et quelque part, c'est un peu facile de disputer le serviteur alors que l'ordre ne lui avait même pas été clairement donné de quoi faire.
Mais ce qui était attendu, ce qu'on peut retenir de ce troisième serviteur et qu'il n'a pas fait, c'était la confiance. Le troisième serviteur n'a pas eu confiance en ses propres capacités à multiplier ce qui lui est confié, ce qui lui avait été donné par le maître et qu'il n'a pas perçu. Il n'a pas pris conscience qu'il n'avait pas assez confiance en lui-même pour chercher une voie nouvelle et non pas rester sur la loi juive. Et moi, je crois que nous sommes bien souvent, même sans le vouloir, comme ce serviteur. Nous préférons jouer la sécurité, la prudence, le confort de ce que nous connaissons, et nous avons des réticences à faire confiance à Dieu pleinement. Alors on se donne un peu à demi à lui, on lui laisse une toute petite partie de notre vie et on garde le contrôle sur le reste. Et c'est bien au final ce qui va être jugé par Dieu et ce que nous révèle la parabole. Notre incapacité à faire confiance pleinement à Dieu, soit parce qu'on a pu être déçu par lui, soit parce qu'on lui en veut de quelque chose. Et cette confiance pleine et entière, comme les deux serviteurs, elle est en fait assez dure à vivre au final. Et c'est bien pour cela que Jésus se concentre dans sa parabole sur le serviteur qui apparaît peureux et paresseux. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il est paresseux. Je crois surtout qu'il se protège. Et ça, on peut le comprendre. Mais j'en viens à mon dernier point. La parabole d'aujourd'hui nous invite à oser. Et contrairement à ce que beaucoup de commentateurs ont dit dans les décennies et même les siècles précédents sur ce texte, et ont véhiculé comme image sur ses talents, moi j'ai choisi de suivre l'interprétation d'Alphonse Maillot. Jésus ne nous parle pas de nos compétences à valoriser dans nos communautés d'église. Moi je crois que quand Jésus parle des talents, de l'or qui est donné aux serviteurs, il parle en fait de l'amour de Dieu et des paroles de Dieu qui nous sont données dans la Bible, de la bonne nouvelle que nous sommes sauvés. Et Dieu nous attend, hein, légèrement au tournant vu la fin du texte, pour oser témoigner de sa parole autour de nous. Alors comme d'habitude, il nous donne assez peu d'indications pour le faire. Il ne nous donne pas de marche à suivre ou de procédure. Quelque part, Jésus par ce texte nous dit, et Dieu, je suis parti depuis bien longtemps, je vous ai quand même laissé des super cadeaux, mon amour sans limite, ma parole pour vous guider. Et puis après il nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, comme vous le sentez, tant que vous le faites, et dans le respect quand même de chacun. Et ce que Dieu attend, c'est que nous ne gardions pas la bonne nouvelle de son salut, du fait d'être sauvés. Qu'on ne le garde pas pour nous-mêmes, pour nos moments de prière privés à la maison, pour le petit cercle de chrétiens autour de nous. Il nous invite à laisser libre cours à notre imagination, pour dire autour de nous à quel point l'amour de Dieu est grand, libérateur et salvateur. C'est à nous de juger la meilleure manière de le dire. Alors n'est-ce pas là un beau message que nous laisse Jésus ? Vous êtes tous des êtres libres et responsables de porter mon amour au monde entier. Quelle peut être notre plus grande mission que celle-ci ? D'autres confessions chrétiennes l'ont compris bien avant nous, mais il n'est jamais trop tard pour expérimenter quelque chose. Amen.
vous invite à la prière d'intercession et à nous lever si nous le pouvons. Seigneur, aujourd'hui encore, tu réalises ta promesse d'alliance avec l'un de tes enfants. Ainsi sommes-nous enrichis par Maxence que nous recevons de toi. Nous te rendons grâce et te prions de poursuivre en Maxence ce que tu as commencé, pour que sa vie soit une réponse à ton amour. À l'image de ton fils qui a vécu dans une famille humaine, bénis celle de cet enfant et remplis de force et de sagesse chacun de ses membres. Sur nous aussi, nous tous qui avons été baptisés et à qui tu confies cet enfant, envoie ton Saint-Esprit pour que notre témoignage soit plein de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, nous te confions tous les enfants de nos familles, que leur intelligence s'ouvre à la vérité, que leurs mains soient courageuses au travail et que leur cœur connaisse l'amour. Seigneur, nous te prions pour les personnes que nous connaissons, qui souffrent et traversent en ce moment des situations difficiles. Je vous invite à les nommer dans le silence de nos cœurs. Seigneur, nous voulons aussi te remettre tous les pompiers à l'œuvre autour de Bordeaux et dans cette région, les pompiers français et tous les pompiers qui leur sont venus en aide de toute l'Europe. Seigneur, aussi plus proche de nous, nous voulons te remettre la famille d'André Bringy, dont le culte d'adieu a eu lieu ici même mardi matin. Seigneur, toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que tu nous as enseignées et qui est sur vos feuilles si besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut reprendre place. Voici maintenant le moment de l'offrande et nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens, et cette offrande sera destinée à l'annonce de l'Évangile dans nos communautés.
nous prions. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre travail, du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. C'est maintenant le moment des annonces avant le chant final et l'envoi et la bénédiction. Alors, je vous le dis pour que vous prépariez pour le rôti après. Il est peut-être un peu chaud pour le rôti, mais... Alors, la première annonce que j'ai, dont je suis sûre, c'est le culte à Saint-Jean à 10h la semaine prochaine. Je regarde mes collègues qui me disent oui. La seconde dont je suis sûre, c'est le groupe Vie et Émotion à Isaac, mais qui est ouvert à tous et toutes, que vous soyez jamais venus ou que vous veniez depuis le début, qui est le samedi 20 août de 14h à 15h30. Et cette année, on commence une thématique choisie par les participants, deux participants, sur le pardon. Donc on va vivre l'année sur le pardon. Donc si vous voulez nous rejoindre à l'occasion, vous n'êtes pas obligé de venir toute l'année à chaque samedi de rencontre. Vous pouvez aussi, voilà, c'est libre. Alors, j'ai noté en annonce, il y a des pasteurs en congé. Normalement, Jean-Sébastien Laurin, qui est encore ici parce qu'il filme avec nous, part pour 2 semaines en congé. Je vérifie en même temps. On a la grâce d'avoir Jean-Mathieu, qui normalement est en congé, mais qui est venu filmer avec nous. Aussi, il faut le dire quand même. On a Michel, qui n'est pas en congé, mais qui, si je ne me trompe pas, est en train de faire le culte à Saint-Louis. Voilà, on me dit oui. Je précise en annonce qu'il y a aussi le registre de baptême à signer, donc ne partez pas vite, pas trop vite. On va juste le signer juste après le dernier jeu d'orgue. En annonce, ah oui, je voulais vous dire, j'ai encore une annonce ou deux là. Pour la liturgie, je ne sais pas si les habitués ont remarqué, j'ai fait quelques expérimentations puisque les pasteurs, on est en train de réfléchir à la liturgie que l'on va mettre en place pour la dynamique mulhousienne dès la rentrée. Alors, je vous invite à me dire à la fin du culte ou aux collègues ce que vous en avez pensé, ce que vous avez remarqué, ce qui vous plairait. J'ai déjà tenté d'écouter quelques remarques, je cherchais personne, oui, remarques qui m'avaient été faites. Voilà. Et la seconde chose, parmi nous se cache un pasteur et son épouse, est promis, je ne vous affiche pas. Je vous regarde quand même. Il y a un pasteur et son épouse, est une des premiers ministères ordonnés en dehors des bords. Je ne sais jamais comment le dire exactement. En tout cas, elle est en service d'aumônier, si je ne me trompe pas, à Barre, hein. C'est ça? Voilà, merci. Voilà, merci. Donc, et votre prénom, je sais. Anita, merci. Anita est donc aumônier laïque dans le consistoire de Barre pour les maisons de retraite et les services de santé, un petit peu, non? C'est ça, hein? Et son mari est en fait le pasteur de campus de l'activité jeunesse à Colmar. Je voulais juste vous le dire, quand même, si vous voulez aussi les saluer à la sortie. Alors, je vous invite maintenant à chanter. Le dernier chant, il est court, mais c'est le verset de baptême de Maxence. Donc on lui chante fort, je vous propose. Et on se lève pour chanter celui-là. Thank you.
invite à rester debout pour recevoir la bénédiction. Avant de nous quitter pour des routes nouvelles à la rencontre des autres, de nos frères et sœurs, enfants du même Père, je vous invite à recevoir ces paroles d'Anselme Grün, qui est un moine catholique. Sois bon et miséricordieux avec toi-même. Accepte-toi tel que tu es, avec tes limites et tes ombres. Considère tes échecs comme autant de chances. Lâche tes rêves de perfection. Réconcilie-toi avec ton passé. Renonce à tes culpabilités. N'aie pas peur de faire des erreurs. Détache-toi du regard d'autrui et des fausses images de réussite. Sœurs et frères, que Dieu nous bénisse. Que l'amour par le Père soit répandu en nos cœurs. Que la paix par le Fils naisse de notre témoignage. Que l'espérance par l'Esprit Saint anime notre vie. Que Dieu nous garde dans son amour. Amen. Et comme vous le savez, nous avons la liberté de nous rasseoir pour écouter dans le calme le post-fils.